Hello, on est mardi, il est 18h. Je me suis dit que j'allais filmer pour pouvoir mettre les vidéos en ligne. Pour 19h, hier, je me suis retrouvée avec assez de temps pour... Comment dire? Je vais pas dire pour le monter correctement. Et heureusement, je ne crois pas avoir toussé hier pendant que je filmais parce que j'ai pas eu le temps de couper pour partir à temps. En fait, entre le temps, ce que je filme, le montage, l'exportation de la vidéo et mettre la vidéo sur YouTube, ça me prend à peu près au minimum, hein, 3 fois le temps de la vidéo en elle-même. Et bon, hier j'avais pas ce temps-là, donc je me suis dépêchée de l'envoyer. Bref, je sais que j'avais dit que je parlerais de thé, mais en fait, je vais le faire demain et je vais prendre tous mes thés, tous les thés que j'ai achetés, les grosses boîtes. En attendant, qu'est-ce que j'avais ce matin dans le Daman et Frères, j'avais Miss Daman, qui alors, je trouve absolument pas Noël, mais excellent, gingembre, citron, fleurs, je ne me souviens pas ce que c'était. C'était excellent, mais voilà, en dehors de l'hiver. Dimanche soir, j'avais spicy curcuma, pas spécialement aimé. Et alors, je me rappelle plus si hier c'était my chocolate. J'ai pensé à un moment que ça allait être pas mal parce que j'ai un thé au chocolat que j'ai ramené des États-Unis qui est bon, mais alors l'année dernière je trouvais excellent et là cette année je le trouve trop sucré. Donc je m'étais dit, My Chocolate, ça pourrait facilement le remplacer et en fait non, il était bon mais sans plus. Voilà. Mais demain je vous présenterai les grosses boîtes à thé que j'ai. J'ai fini la deuxième manche. J'ai fini la deuxième manche hier soir. Voilà. Et en même temps, j'ai fini de lire le livre sur Françoise Dobon. C'est ce que je vous disais, la plume ne m'a pas vraiment plu. Mais c'était quand même fort intéressant. Aujourd'hui, niveau lecture, j'ai continué Les Étoiles de Nocède. Voilà, j'ai avancé, j'ai pas beaucoup avancé. Je crois que c'est trop jeune, c'est trop jeune adulte pour moi. J'ai décidé, plutôt que de faire une autre manche tout de suite, de reprendre le corps du Covid. Et avec le reste de laine que j'avais, il ne me reste plus que ça. Donc je vais finir. Quand je le mesure, je ne suis pas haut, je sais plus, je crois qu'il pensait 42 cm de corps. Je vais en être à 35. Je sais que la dernière fois que j'ai mesuré, j'en étais à 32. Alors que je devrais être à 41. Bon, ceci posé, quand j'aurai fini, quelle que soit la longueur que j'ai, quand j'aurai fini ce petit bout de laine-là, j'arrêterai parce que déjà je trouve que ça fait déjà pas mal long, comme ça. Et puis, parce que j'ai envie de continuer. Et puis surtout parce que je pense que quand ça, je vais aller au bloqué, ça va. Et tout en tricotant comme ça, je lis, j'ai repris The Silence of the Girl. J'ai pas les silencieux. Le silence des vaincus, en français. J'avais lu quelques pages avant et là j'en suis à peu près à la moitié. Et c'est fort bien. Je comprends pas pourquoi je me suis. Si, je me suis arrêtée parce que je voulais une autre lecture un peu plus facile. Donc voilà, ce soir je compte bien finir ce corps. Et puis voilà, et donc on se retrouve demain avec mon avis sur les thés que j'ai. Voilà, sur ce, bonne soirée à demain.